le grand groupe, mettez-nous dehors dans le pays. C'est ça. Est-ce que nous avons quitté effectivement, nous avons déployé une stratégie? Dans le temps d'esclavage, nous avons venu à bateau, nous avons venu pour nous. Nous avons nous-mêmes acheter des tickets avec l'argent pour nous mettre nous bas. Pendant que nous avons planifié pour le pays. Nous avons fait nous courir quitter le pays, nous avons même acheté des terres. Nous avons fait nous courir quitter le pays, nous avons fait diriger pour prendre contrôle du pays. Nous avons fait nous courir quitter le pays, pendant que nous même il n'y a pas juste, il n'y a pas organisé comment il peut contrôler le pays. Eh bien, c'est peut-être ça nous dit aujourd'hui. Nous lançons une mobilisation pour nous dire Haïti et la diaspora doivent être unis. Nous devons être unis. Pendant la diaspora bataille côté PAL, nous-mêmes en Haïti, nous devons boumer pour côté PAL, mais avec un seul objectif pour nous débarrasser du pays de assassins, de criminels. Notoire. Nous avons des assassins notoires. Nous avons des criminels tête chargée qui contrôlent la police, qui contrôlent le ministère de l'Intérieur, qui contrôlent le ministère de la Justice et qui contrôlent le CSPN. Mais ça explique que les bandits ont autant d'autorité, autant de capacité. Dites-nous bien, messieurs, dames. Messieurs, dames, la presse parle, la presse écrit qu'il a. C'est pas capable, la police pas capable de couper les bandits. Mais c'est parce que c'est le chef bandit qui contrôle tout le ghetto côté pour la police de couper. Ça veut dire que le chef gang a plus d'autorité que les policiers. Et c'est ça qui explique ça. Ariel Henry fait partie d'un trio criminel qui a invité l'homme, qui a Félix Badjo. C'est une forme rectangle. Ariel Henry, Badjo sous-côté, vite l'homme yon bon, Ariel la flèche là. Et c'est ça qui explique force, autorité, puissance, nous sommes chefs de gang. Mais ça qui fait nous mal, ça qui fait qui va nous inquiéter maintenant, pour le moment nous très inquiétés. Nous inquiétés pour qui ça? Parce que nous venons découvrir véritable état-major gang yo, yo prend contrôle institution pays. Yo prend contrôle la police. Yo gagne FNCLB. FNCLB c'est ancien. FNCLB c'est ancien coordonnateur fantôme 609. Et yon nan moun que criminel yo te contacté pour te mettre des armes, pour te barrer assez de armes et munitions. Pour tuer Jovenel Moïse. Je veux dire, c'est Francel Bessa qui est directeur général de la police nationale d'Haïti. Comment pour la police de force maintenant, pour le coup, dit, les chefs de police là, ont des rapports étroits avec les chefs de gang. Je veux dire, qui est-ce qui est chef en deux primatures? N'est-ce qui est chef en deux primatures? C'est Yonel Gioré, Ariel Henry, ancien soi-disant adventiste, qui vient premier ministre. Et puis, une institution prestigieuse, d'un coup, la DCPJ, qui c'est la police centrale judiciaire, produit un rapport sur l'assassinat de Jovenel Moïse, rétablit que M. Ariel Henry est bel et bien participé non seulement dans la planification de l'assassinat, mais financer l'assassinat. Je dis à Ariel Henry ça qui n'a plus match. Je dis à Ougéry Capierre. Qui dans le ministère de planification et coopération externe impliqué dans mettre en place Fantôme 609. Pour gagner un ensemble d'autorités qui est là pour renforcer la police, pourtant c'est eux qui chef et gagnent. Comment vous comprenez? Pour Ariel Henry faire des marches, pour Kenya. Alors, par Ariel Henry, on nous bien dit. Et Madame Simpson, ancienne ambassadrice américaine en Haïti, qui est allée au Kenya, qui a demandé Kenya, qui a demandé chef Kenya, pour faire pression sur eux, pour prendre tête contrôle de force multinationale en Haïti. Mais même ambassade, même américain, ça, pour elle faire sortir, ils ont communiqué. Dans la date 27 juillet 2023,
Li pral di a ressortissant canadien, ressortissant américain, ki yo pral Kenya. Motif pour qui ça? Gouvernement américain pa vle citoyen nan Kenya. Parce que Kenya gon régime en place, gon l'armée qui mélange avec la police qui non effectif 101 000 soldats et policiers. Gouvernement Kenya pa ka paye yo. De ce fait, policiers kenyans, soldats kenyans, ils ont la tête pour eux dans le kidnapping, dans l'enlèvement, dans le trafic d'organes, dans la corruption. Ça veut dire aujourd'hui, pendant que j'ai ISO, pendant que j'ai l'abri, pendant que j'ai la mort pas professionnel qui a fait kidnapping, la police pas qu'à contrôler, Américains décidé à chercher des kidnappeurs professionnels pour venir renforcer le kidnapping que nous avons en Haïti. C'est de ça qu'il s'agit et c'est ça qu'on a dénoncé. C'est ça qu'on a dénoncé. On a dénoncé un complot. Côté nous au courant. L'équipe Kenya qui a fait là, elle n'a pas pu faire l'autre bagaille. Un, il a pu faire trafic d'organes. Il a pu faire kidnapping, il a pu faire enlèvement. Parce que pays qui a un minimum de sécurité, pas qu'il n'y a pas de bagaille, voilà qu'il y a pu nos pays vulnérables. Ça, c'est où? Deuxièmement, question maladie, Ebola. Si nous voulons faire génocide à travers Ebola, si nous avons 15 soldats Ebola, si nous avons 15 soldats kenyans qui subissent maladie Ebola, il est possible pour 15 soldats kenyans seulement, bah nous prenons 200 à 300 000 morts. Alors que la situation sanitaire n'est pas bonne, nous n'avons pas de médecins, nous n'avons pas d'hôpital qui pour répondre à ça. Ça veut dire que nous prenons un complot international. Et le complot international, là, c'est les Nations Unies même, avec la CARICOM, le corps groupe qui a coordonné un complot néfaste contre le peuple haïtien. Ils voulaient à tout prix pour disparaître le peuple haïtien. Ils ont demandé, dans le premier temps, ils ont demandé 400 millions de dollars pour protéger la force multinationale. Là. 400 à 600 millions. Pourtant, si on a une police nationale, là, avec l'armée à minimum 200 millions à 300 millions de dollars, comme ça, ils peuvent payer Kenyans, la police, l'armée d'Haïti, mettez avec BESAP, dans une force conjointe, une moto squad, sont capables de rétablir la sécurité dans un mois à 6 mois, nous pouvons rétablir la fin de pays. Pour qui ça nous dit ça? C'est parce que chaque fois la police prend un militaire dans l'opération, l'opération finit bien. L'ambassade américaine fâchée. Ça veut dire qu'il y a un intérêt, problème, yo, puis quand nous résoudre le problème de la caille, parce que la crise de la caille vient pour nos systèmes, et bien le système ça vient permettre les Nations Unies, la CARICOM, le grand groupe, de créer une opportunité à travers la crise noire. La crise noire, c'est une opportunité pour eux. Quand nous nous appelons, mais nous-mêmes, nous avons bénéficié de la crise noire en opportunité. Et c'est pour ça que nous vivons là. Nous venons dénoncer, nous dire que c'est diaspora, que diaspora unie, Haïti unie, organisation, yo, nous tous ensemble, nous unis tête nous, pour nous dénoncer Madame Elisabeth Salvador, qui vient en Haïti pour venir pénaliser le crime, pour venir renforcer la gang. Et de pouvoir renforcer Ariel Henry, c'est un choix fait pour renforcer la gang de pays. Et c'est pour ça que nous venons là, nous disons avant Ariel Henry et vous voulez braver, faut qu'Ariel Henry aille. Merci. Bonjour Jean-Marc, qui est ça, premier monde arrêté dans le dossier Jovenel Moïse. Même comme on n'a pas de justice pour Jovenel Moïse, ça c'est pour nous. C'est un bon pas. C'est un bon pas dans une bonne direction. Mais nous étions 96 l'autre pas pour faire. Parce que à travers le tribunal fédéral Floride, ils ont fait 3 bon pas. À travers, ils ont même fait 3, la justice haïtienne ne s'y font pas. Ils ne prétendent pas parce que ça ne peut pas juger. Alors que l'autre 3 mon aux États-Unis, ils ont plaidé coupable. Nous-mêmes, ça nous certain. Quel que soit le monde qui participe dans l'assassinat de Jovenel Moïse, depuis qu'il a arrêté, c'est un bon pas dans votre direction. Merci. Nous comment comprendre l'extradition vers les États-Unis. Bon, extradition vers les États-Unis, c'est une sorte d'avilissement pour la justice haïtienne. Parce que lui mettait le nom état pour montrer qu'il n'est pas à la hauteur de mission que la justice là. Mais ce n'est pas justice là lui-même qui parle à la hauteur, mais ce sont les individus, les personnalités qui ont nommé en d'appareil justice là,
qui n'a pas de colonne vertébrale, qui n'a pas connaît ça le sacerdoce, qui n'a pas connaît ça le choisi à le juge, qu'on choisit pour pas millionnaire. L'on choisit professeur, son choix fait pour pas millionnaire. L'on choisit policier, son choix fait pour servir. L'on choisit vie militaire, son choix fait pour servir pays. Mais malheureusement, je dis, les gens n'ont pas de justice, tout rêve est fait, dormir pauvre, lever millionnaire. Et c'est ça qui crase le système judiciaire, qui permet à chaque monde arrêté dans le cas de Jovenel Moïse, d'obliger à extrader. Maintenant, on n'a pas prié pour un jour, pour que la justice mette la hauteur, pour permettre. Et définitivement nous capables de pays qui commence à juger citoyen parce que c'est pire mauvais bagaille le pays pas de justice parce que la Bible dit c'est malheur aux nations on nation maudit la justice c'est l'œuvre d'une nation et pour pays pas de justice son pays qui maudit son pays qui a appelé à disparaître et résultat n'a bénéficié là c'est l'impunité qui n'a bénéficié mais nous pas de choix son combat lié son bataille lié c'est continuer pour nous continuer pour nous. Mais seul bagaille me dit tout le monde à la honte badé. Nous pas besoin qu'inquiéter nous. Jovenel Moïse a besoin de justice et on veut pas qu'être l'autre monde qui doit jouer justice. Tant qu'on est tant qu'on professeur, on fait Yedoval et tant d'autres. Ça veut dire son combat pour mener. Combat c'est pas moi qui viens camper là, on parler puis l'autre pour capable garder comme si ça m'a fait mal. C'est nous tous ensemble qui concernés. Parce que je dis à ces Dorval, je dis à ces Jovenel, je dis à ces Leti, je dis à ces Dem. Et demain, qui est-ce? Il faut poser tête tout demain qui moune la pied. Et ça qui est grave aujourd'hui, l'autre l'on est volé à fort, ou courir, il était courir. Je dis à les voler à voler, ou c'est ou courir pour lui. Il faut nous retourner à un temps, à temps passé. Pour ne pas dire qu'il doit voler. Je ne dis pas pour pas voler, même les gens volent, ils volent, c'est courir pour le courir. Il va me courir pour lui. Aujourd'hui, c'est Gary, c'est eux qui ont le pouvoir, c'est eux ministre. C'est vous les ministres, c'est vous les premiers ministres, c'est vous les ministres, c'est vous les politiques. Ça veut dire que le combat pour nous mener, pour nous capables de dégastériser l'État, pour nous dégastériser l'institution, pour nous batailler pour la moralisation de nos institutions, pour les nous, citoyens, capteurs de l'institution de l'État, pour nous respecter comme de grands citoyens. Nous avons un massacre à droite, massacre à gauche, Camoufel, La Saline, Belair, Solino, tout le monde a été quitté Caillou, police pour eux, nous demandons justice pour eux, pour dégager eux, pour tourner. Tout le monde qui mourit, nous demandons justice pour eux. Président Jovenel a une justice quand même. Quel homme qui a parlé, président Jovenel a justice. Merci. Qui est-ce que vous avez justice? Président Jovenel. Par rapport à vous, vous êtes là. Quel que soit le monde qui s'est participé dans le monde, je dis que vous avez justice quand même. Vous êtes là. 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 À la première, la mort. Nous
salué les peuples haïtiens. Nous salué chaque grain haïtien qui Haïti ou l'autre bord de l'eau. Moi-même, Jean Michel qui va le parler, je dis dans nos plateformes génération 80-90-2000. Je dis à raison qui fait nous là, c'est parce que nous arrivons au niveau que nous pas de pays encore. C'est pas haïtien qui dirige nous encore, mais c'est blanc qui a fait tout ça qu'on est pour capable mettre tout petit pays là dehors. Nous pas contre qui mission principale. Je dis à gayon hypocrisie que nous-mêmes nous constatons dans haïtien. Puisque c'est Rogemon Jean, je dis qui est initiateur. Si tu n'as parce qu'elle n'a pas sorti dans même pôle politique avec un pile là nous, même si la petite ça qui est bon pour le pays, tout le monde compte lui. Nous disons ça, capable dans le pays. Je ne dis pas, faut qu'on dépasse pas qui fait entre tout acteur. Moi même matin, je me lève, je suis un ami qui a bataille pour bien-être là, qui relève. Quand tu me dis ça, Jonel, je ne suis pas capable encore. Mon cher obligé la guerre pour aller aux États-Unis. Il n'est pas capable encore, mes amis. Il oblige la guerre pour aller aux États-Unis. Et puis, mes amis, nous devons rentrer dans la toilette, oui. Votre bruit, brou. Parce que pour tout que les jeunes garçons ont gagné, pour détermination que les jeunes garçons ont gagné, et bien, 17 novembre, nous allons ensemble avec nous, cette plateforme, génération 90-2000. Et puis, pour jeudi, à la pour cet album, comme résultat, les dit, mon cher Jonel, je ne suis pas auparavant, je suis obligé d'aller. Et puis, je vais regarder la tête de mon ami, et puis, je me dis, oh, et bien, pour m'aller tout, c'est une raison plus motivée pour me dire là, dans ce sitting là. Pour me dire, papa ici, faut que nous impliquions, nous, jeunes femmes, jeunes garçons, ou même qui n'ont pas de possibilité pour aller, ça veut dire au Mexique, pour aller au Nicaragua, pour aller aux États-Unis. Pays, ça c'est pour vous lier. C'est pour vous, papa, des salines de Roumé. Libre nous dit pour de ça. Eh bien, madame Salvador, Hélène Lalim, tout le monde a une mission. Pour gaspiller tout petit pays, nous venons à l'envoi! Envoi! Nous ne sommes pas capables de nous partir du pays. Il faut que je sois là pour vivre le pays. Je ne suis pas dans la gang, c'est là pour vivre. Je ne suis pas faire merci, c'est tout. Il faut que je vive le pays. Parce que je dis, il faut que nous disions ça à tout acteur, tout le monde qui est concerné dans le pays. Ce n'est pas parce que Rosemont Jean va sortir dans le même pôle politique avec nous. Même si la revendique ça qui va vous payer pour nous pas accompagner. Il faut qu'on dépasse pas qui fait, monsieur. Haïti n'est pas capable encore. Toi, jeune femme, jeune garçon, on parti qui te paye. Ariel Henry. Vous ne pouvez pas voir qui ça a simi quoi il a fait là. Dans moins de trois jours, une zone qui est en bas de gang. Dans moins de trois jours, je prends. Je récupère elle. Tu n'es gentil Ariel, au seul bagaille, oui. Madame Salvador, suspend avec diversion nous. Suspend, oh, mes amis, Madame Salvador, nous faisons Haïti droit. Pendant nous finissons gaspiller Haïti comme ça, et puis nous allons tout crème pays, tout cerveau pays, allez jouer nous. Parce que nous avons un paquet de tigres monde qui a un gros business, qui a un gros facteur, et puis nous avons des ressources pays qui pourront faire tuer nous là-bas. Alors nous, mes amis, et pas nous tous qui voulons vivre comme ça. L'esclavage déguisé. Bien. Esclavage déguisé, ça nous parle là-dedans. Alors nous-mêmes, ni jeunes femmes, ni jeunes garçons, qui n'ont pas de possibilité pour partir, dans tout ça. Qu'on fait pour être nous, pour nous battre contre ingérence. Béni, OEA, tout le monde sait faire contre nous. Alors, mes amis, nous sommes la femme génération 90-2000. Jeune Michel qui se coordonnateur général de la femme, nous dit tout ça qui est rapport à la bataille pour bien-être, mettez présent pour nous. Parce que nous ne sommes pas capables encore. Nous, c'est haïtiens. Nous condamnons pour vivre en haïtien. Par contre, côté un haïtien plus à l'aise que la Kaili en Haïti. Nous, c'est 90-2000. Nous ne sommes pas capables.